Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouveau let's play sur Dungeons 3 évidemment hein, en compagnie de Totonheimer. Bonsoir Totonheimer. Bonsoir. Soldier du 44. Donc petite campagne principale en coop bien sûr. Attention. Attention chargez gens. Non je veux pas être public. Comment je... Si, mets-la en public comme ça je peux jouer. D'accord vas-y public. De toute façon il y a que deux places donc Voilà. Voilà. Avec ah, Jaune. C'est vrai que maintenant tu t'appelles Jaune. Il était une fois, il y a bien longtemps, le mal absolu dans l'épisode précédent s'était assujetti le monde connu et avait battu les forces du bien. Désormais, dans un monde voué au désespoir, il passait ses journées à siroter des cocktails d'hémoglobine et à forger de nouveaux plans en faisant cuire ses brochettes de licorne. Malheureusement, il n'y avait plus grand-chose à forger. Une blague de ci, de là, pour faire enrager les orques ou les grouillots. Mais il n'y avait plus rien à conquérir. Les semaines, les mois passaient, et le mal absolu était de plus en plus reclus et solitaire. De temps en temps, on J'ai jamais fait gaffe sur la porte, la référence. Dans les profondeurs du laboratoire secret du mal. Ces créatures étaient de plus en plus inquiètes. Même ces farces maléfiques désolantes commençaient à leur manquer. Pour elles, c'était une époque incompréhensible. Pas de punition, pas de torture, pas de mort sans rime ni raison. Notez qu'elles ne se plaignaient pas plus que ça. Le temps passait et les stocks de viande de licorne commençaient sérieusement à baisser. Quand le mâle, éclairé par un sourire d'enfant aux joues roses, jaillit de son laboratoire. Il avait enfin trouvé un nouveau but. Un continent inconnu, assez typique des suites officielles, avait été découvert à l'est, protégé du mal par un océan salvateur. Le mal fit aussitôt construire une flotte. Elle était si imposante qu'elle masquait l'horizon du nord au sud, et les plus puissantes créatures servaient à son bord sous le commandement du mal en personne. La flotte appareilla vers ce nouveau continent, quitta le port et coula. Mais le mal n'avait qu'une compassion limitée pour ses sbires, et il ordonna à ses gobelins et à ses grouillots de concevoir une flotte encore plus puissante. Les nouveaux navires étaient gigantesques, et leur équipage comprenait ce qui restait de mieux au mal. Ils levèrent l'ancre, et ils coulèrent. Le mal, un peu agacé, remit à plus tard ses remontrances envers les ingénieurs navals. Bien sûr, elles seraient dures, mais justes. Avec un soupir, il lança un sort, et créa une ombre de lui-même. Une créature de pure ténèbres et de totale malfaisance. Cette ombre flotta vers l'est, au-dessus des eaux. Là, elle trouverait un réceptacle, un être corruptible pour servir le mal. Et l'ombre savait déjà qui serait la créature parfaite pour cela. Trop bien, le Korn et le ACDC. Oui. Ah vraiment dans les refs, on y va. Alors j'ai pas joué depuis une plombasse à ce style de jeu, j'ai regardé, je sais pas comment on fait de la recherche. Thanos, héros des t'inquiète, à l'est, ils vont t'expliquer. Alors, si tu veux faire le jeu à 100%, il y a des missions secondaires à faire. Et dans ce niveau, elle est relativement facile, mais ça peut vite être cancer. Ah bah on va tout faire. Talia, parle-moi de tes études. Est-ce que tu progresses dans la lecture des anciens livres de sagesse? Oui, Thanos. Je les ai assimilés et j'ai fait un pas de plus en direction du bien. Mon désir de faire le mal a disparu. Vraiment ? Excellent. Je suis fier de toi, mon enfant. Continue à te concentrer sur tes études. Mes affaires m'appellent à Soufflevent, je serai vite de retour. En attendant, mon loyal ami Grimly protégera le pays. Si quoi que ce soit te trouble, tu peux faire appel à lui. N'est-ce pas, Grimly ? Bien sûr, Thanos.
Je surveillerai l'elfette maléfique. Enfin, votre fille. Vous pouvez compter sur moi. Alors à bientôt, mes amis. Que la déesse veille sur vous et que la lumière resplendisse à jamais. Bon voyage, père. Je te rendrai fier de moi. Quiconque fait le bien appartient au bien. Burke, c'est vraiment le genre de phrase qui me laisse un mauvais goût dans la bouche. Cela dit, ce héros anormalement bon n'avait aucune idée de ce qui se tramait au sud. Une seconde, un troupeau de moutons était en train de brouter. Et la seconde d'après, boum ! Avec une explosion spectaculaire, avalant la moitié du budget effets spéciaux, l'ombre entra dans le monde. Sa cible, une elfe noire coincée entre le bien et le mal, n'était plus bien loin. Tandis que l'ombre du mal vraiment très méchant errait de par le monde, tout mourait autour de lui. Les plantes, les animaux. Un peu comme pendant les pique-niques en famille. Excellent. Alors, on le contrôle tous les deux, non? Ouais, je te laisse faire. Un des objectifs secondaires, parce que oui, en fait, le jeu cache les objectifs secondaires, il le dit pas. Un des objectifs secondaires se fait dans cette étape-là, il faut pas que l'ombre prenne de dégâts par la lumière. D'accord. Donc je m'approche pas des torches. Ouais, c'est ça. C'est t'as des cercles de lumière que tu vas croiser un peu plus loin, bah là t'en vois un. D'accord. Faut vesquiller monsieur. Faut aller dedans. GPS se ouais, c'est ça. Très près de Twister. Faut faire du pacefinding un petit peu. Elle pouvait presque sentir la présence de sa cible. Prenez ces lanternes et que brille la lumière de la déesse. Car la nuit est sombre et peuplée de terreur. Sans compter qu'on sait jamais sur quoi on marche. Pas plus tard qu'hier. Enfin, peu importe. Pour les ténèbres. Oh, je voulais dire pour la lumière. Oh, désolée, je suis encore en rodage. Oui, évidemment, ce n'est pas l'idéal. Bien sûr, l'ombre du mal tout-puissant était une créature. Alors, ouais, un truc que je vais reprocher au jeu, c'est que la vision à partir des escaliers est très chiante. Pour elle. Mieux valait rester à l'écart des loupiottes. Je sais pas si t'as vu quand t'as passé l'escalier. T'as tout de suite perdu la vue de ce qu'il y avait au-dessus. Heureusement, elle n'était pas fermée. Mais elle était brillamment éclairée. Heureusement, grâce à ses incroyables pouvoirs, l'ombre put posséder un malheureux garde qui patrouillait dans le coin. Voilà. Tu as un pouvoir sur l'ombre. Ah oui. Ouais, c'est ça. Mais faut. Attends. Ouais, ça faut faire attention parce que quand t'as une portée limitée avec. Donc quand il revient, tu le possèdes et t'as un délai pour lequel il faut traverser. Donc faut pas attendre de lire le dialogue en fait. L'ombre du mal absolu se fondit dans le garde et prit contrôle de son corps. Ouais, tu peux tracer ce que le garde va plus vite que toi. Franchir la porte sans encombre. Mais je peux pas obscurcir toute la planète pendant ce temps-là. C'était quoi, ouais, mais c'est pas grave, tu peux pas en fait. La dernière bière m'avait pourtant l'air normal. Malheureusement, la possession par l'ombre ne dura qu'un bref moment avant que le garde ne parvienne à se libérer. Mais cela suffit tout de même pour franchir la porte. La cible de l'ombre était proche, si proche. Talia, l'elfe noire, bientôt elle aussi combattrait pour le mal. C'est terrifiant comment les dialogues sont. Que la déesse soit avec vous, mes amis. C'est bientôt l'heure de l'inauguration de l'orphelinat de la bibliothèque tonique. Venez sur la grande place, participez aux festivités. La bibliothèque tonique. Je sais pas trop. J'avais un peu prévu de passer la soirée au bain. Mes amis, cet orphelinat compte beaucoup pour mon père, Thanos. Vous savez. Le puissant paladin que personne ne veut offenser. C'est bon, on vient. Excellent. Que la lumière de la déesse brille sur vous. Et profitons de ce spectacle exaltant sur la grande place. Suivez-moi, mes amis, pour le mal, pour la lumière. Que brille la lumière de la déesse, car la nuit est sombre et peuplée de terreur. C'est bien ça? Ou d'erreur, peut-être. Ou de bretteur, je ne sais plus. Référence évidente. Est... Ouais. Oh, Seigneur des Anneaux. Évidemment.
Ah, il a rien lâché de son design warcraftien. Là, ouais, non, ouais. Il faut que t'ailles plus vite que lui, sinon il va te griller les fesses. Je peux me mettre par là ? Non, je vais te faire griller. Oh ! Mort, décédé. Recommencer ? Non. Quoi ? C'est pas grave. On peut pas ? Je crois que tu peux pas restart. Faut quitter au menu principal. T'as vu ou pas ? Qu'est-ce qui se bat contre toi ? Non. T'es vraiment en train de te faire cuire ? Au pire, va dans les deux torches. Hein. Tu prendras un double dégât. Ah oui, j'avoue. Si ton but c'est de mourir. Excellent. Mort dans le tuto. Ouais. Ah, par contre, qu'est-ce que ça te scotche la lumière ? Tu peux plus rien faire. Hein. Ouais, c'est... Ah, tu te fais carrément repousser, quoi. Genre... ah oui, ça là, tu peux même pas. Ah, tu te fais carrément repousser. Vas-y, on va suicider contre celle des gardes. Voilà. Oh. J'arrive, petit garde. On va le restart, hein, je veux pas le savoir. Hein. Genre, le jeu malhonnête. Oh, c'est si long de ce suicide. T'en connais des suicides aussi longs, toi ? Non, je ne donnerai pas de réponse. T'as envie, hein. J'ai envie, mais je ferai pas. Bon, je regarde les décors pendant ce temps-là. Vas-y, en profite, hein. La déco est belle. YouTube, on aura des grands moments de gaming. Oh, tu vois peut-être pas t'as une référence un peu plus bas avec un mur, avec des têtes dessus. Je sais pas si tu vas comprendre. Peut-être avec des murs dessus, plus bas. Alors plus bas où ? Vers le... Tu vois ton personnage où il est ? Tu fais littéralement descendre ton écran. Tu vas voir des petits rochers. Voilà. Bah référence aux States ? Ouais, peut-être pas forcément, mais vas-y. Ça peut en faire partie. Alors, tu veux une référence à ? Plus Naruto, dans le style. Des têtes qui ressortent bien comme ça. J'ai pas la ref Naruto. Jamais accroché. Non mais t'inquiète, on est deux, mais c'est l'une des rares images que je connais du truc. Tu vas réussir à mourir, hein. Il te reste que 160 HP sur les 1000. Hein. Oh, c'est bon. Quand je te disais qu'il fallait pas mettre de chrono. Excellent, on est très bon. Ah. Allez. Hop, c'est bon. Est-ce qu'il y a un succès pour stupéfait se fondit dans la lumière. Je vous dirais bien, je vous l'avais bien dit, mais je ne vous le dirai pas. Tu viens de le dire. Oh là là, recommencer. Ah, moi ça m'a dit menu principal. Ah, connexion perdue avec jaune. Bah, menu principal. Ouais, le jeu nous a dit vous êtes trop nuls, vous êtes morts dans le tuto, les gars. Ça a arrêté de jouer là, les gars. Ah, même pas, non, c'est pas le dédacticiel, attention, on joue en mode hardcore là. Coop. Coop, réception de données initiales de la partie en cours. Public. En attendant ton tube, je vais me chercher un verre d'eau, hein, le temps que monsieur y rejoigne. Hein. Ouais, c'est bon, je suis là. Hop, qui est arrivé, jaune de Damas. Vas-y, jouez. Vas-y, je te laisse te diriger. Il y a Ouais, j'ai passé la cinématique. Voilà. Hein. Désolé YouTube, mais on va pas regarder deux fois la cinématique. Je vais faire du speedrun un petit peu, histoire qu'on avance dans le jeu. En espérant ne pas me faire toucher par la torche. Le grand paladin Thanos. Ah ouais, parce que ton tube, tu vois, il fait pas froid quoi. Attends, on peut tout passer là, hop, on voit tout ce qu'il machine. Voilà. Il faut savoir que le pathfinding du jeu est un peu. Bah, il est un peu. Un peu comporté quoi. Ah oui. Alors, genre, en fait, il y a vraiment un délai entre le moment où tu cliques et le moment où il se passe des choses quoi. Elle pouvait presque sentir la présence de sa cible. Prenez ces lanternes et que brille la lumière de la déesse, car la nuit est sombre et peuplée de. Oh, je vois une main verte, c'est la tienne. Sans compter qu'on sait jamais sur quoi on marche. Hein, pas possible. Hier. Enfin, je sais pas, je vois une main verte qui se balade. Ténèbres. Oh, je voulais dire pour la. Rien, c'est ce que je te disais tout à l'heure. De là, on voit au-dessus de l'escalier. Oui, évidemment. Je suis pas en train de te regarder, mais ouais.
Ok. Tu vois, genre là, je suis au-dessus de l'escalier, on voit ce qu'il y a en bas, et regarde. Dès que je vais toucher le rebord de l'escalier, je vois plus ce qu'il y a derrière. Ah oui. C'est ce que je te disais, c'est un peu dommage. Ah oui, non, je vois ce qui te perturbe. Mais ils étaient trop occupés à avoir du fun et pas assez de tryhard. Ouais, c'est ça. Hop là. Elle n'était pas fermée. Mais elle était brillamment... Le niveau de tryhardage de cet homme, c'est pour ça que je l'ai pris dans la campagne. Grâce à ses incroyables pouvoirs, l'ombre pupille. Regarde à quel point tu vas plus vite quand tu prends le bonhomme. J'avoue. Hein ? C'était quoi ça ? La dernière. Il faut savoir que j'ai littéralement fait les deux premières missions pour essayer de comprendre comment fonctionnait le jeu idéal. Ouais, pardon, j'ai oublié de passer le truc. Ouais, non, là on peut skip machine quand même, on les a vus. Ouais. On est déjà assez en train d'embêter YouTube comme ça. Normalement, je grid suffisamment pour pouvoir passer direct là-bas. Inch'Allah. Ok, c'est bon. Parce que les deux gardes se rejoignent un peu plus bas. Mais c'est très emmerdant. Ah, possession démoniaque du sorcier. Hop là. Ouais. Et merci, je peux utiliser les sorts du sorcier aussi. Trop bien. Il est Gimli. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas eu la ref, hein, bien sûr. Parce que la ref était très subtile. Je me souviens plus si je dois aller en haut ou en bas. Je crois que je dois aller en bas. En haut, ça me paraît chaud, hein. Ouais, ouais, non, mais... Alors là, c'est le moment où il faut cliquer. Tu vois, genre... Comment ça? Ouais, il y a la sauvegarde automatique, hein. Mais c'est le moment où il faut cliquer et il faut jouer gros cerveau. Hein. Elle devait accompagner l'inauguration de leur saleté d'orphelinat. Parce qu'en fait... bah regarde, tu vas vite comprendre. Terre, bien sûr, se mettait en route dans cette direction. L'ombre du mal lâcha un juron, ou aurait lâché un juron si elle avait eu une bouche. Puis elle essaya d'éviter les lanternes de son mieux. Au nom de notre déesse et de mon père, Thanos, je suis heureuse de voir que tant d'entre vous perdu qu'il va pas s'entendre lui. Je sais plus ce qu'ils font, ni par où faut aller. Au pire, t'as un creux derrière la maison, hein, derrière. Ouais, je sais, mais c'est bon. Mais visiblement, c'est bon, tu peux passer. Ouais, merci au jeu de... je vais te laisser jouer, et la deuxième mission, c'est tuer des gens avec la grosse boule de feu. Qui ne respecte pas les priorités et qui traverse au rouge. La compétence de l'assassin. Fier s'il pouvait être parmi nous aujourd'hui. Il vibrerait de bonheur de nous voir donner aux plus jeunes et aux nécessiteux un endroit où vivre et prospérer. C'est pourquoi je suis heureuse de prendre cet orphelinat et... Cet orphelinat... Et de le détruire. Et vous tous en même temps. Qu'est-ce qu'elle a dit? À mort. Je vous tuerai tous. Vas-y, hein, Pokémon massacre-les tous. Ouais, pense à utiliser la bombe incendiaire. Ah, je te laisse faire, moi je fais rien du tout. Moi. Ok. Tiens. Ah si, je peux la déplacer pendant que tu battes, c'est ça? Est-ce que tu peux te battre en même temps que je peux pas me battre pendant que tu cliques. Il faut que tu cliques pour moi. D'accord. Je clique pour toi. Il faut utiliser les compétences en fait. Attends. Il faudrait lancer la compétence ici, s'il vous plaît. Merci. Ça fait combien? 4 mecs. Vite teuf. Ouais, attends. Ah si, c'est bon. 4, ça fait 5, 6, 7. Comme des agneaux à l'abattoir. Il manque une personne assise. Ah merde. On les a pas tous? Non, normalement on n'a pas tué tous les mecs correctement. Comment ça? T'en as 9 à tuer avec la grosse boule de feu. Ah, c'était genre une obligation? Ouais. Pour avoir les 3 étoiles du niveau. Pour avoir les 3 missions cachées du niveau. Sérieux? Ah, parce qu'en plus ça te révèle des trucs cachés. Ah non, mais attends. Quand t'as terminé la mission, après ça dit bah en fait t'avais cet objectif là, cet objectif là et cet objectif là à faire. Ah, mais les cochons, mais comment on le sait? Là c'est écrit où? À la fin, quand tu vas relancer le. Quand tu vas arriver sur un menu de sélection des niveaux, tu verras que t'as 3 missions cachées par niveau. Si je fais continuer, ça m'amène sur ce menu ou ça nous envoie la suite? Je crois pas, je crois qu'on va direct dans la suite. Alors on va vers la campagne. L'elfe noir se fraya un passage parmi les gardes inexpérimentés de Twistram. Elle accumula ainsi une prodigieuse énergie intérieure qu'elle déchaîna sous la forme d'un rayon en hurlant « Kamehameha !» Cependant, dans la bibliothèque tonique,
On dirait un méchant de Doom, le mal. L'arrivée de Talia pour l'inauguration de l'orphelinat. La grosse armure derrière, on dirait un grand méchant de Doom ou autre comme ça, inspiré de par là-bas. Le rayon d'énergie réduisit en cendres le cake aux fruits, ainsi que le bâtiment et tous ceux qui se trouvaient dedans. Le mâle se congratula avec une pointe de narcissisme. Comme cela ne suffisait pas à satisfaire son ego, il se promit de se faire aussi congratuler par les grouillots. C'est à ça qu'ils servent. À l'évidence, l'elfe noir était pour l'ombre un réceptacle parfait. Talia avait déjà gagné le titre d'employé du mois grâce à la destruction de la bibliothèque tonique et de la moitié de Twistram. La destruction d'un orphelinat et le bombardement des innocents par des projectiles magiques firent immédiatement d'elle le nouveau chouchou du mal. Ayant donné toute sa mesure, Talia se retira dans les caveaux de la bibliothèque tonique. Là, entre l'abattoir et les appartements de l'évêque fou Lazare, elle décida de créer quelque chose de surpuissant au nom du mal absolument absolu et maléfique. Un cœur de donjon, la pierre d'angle de la puissance de tout donjon. Au loin, Thanos, paladin de la lumière et ancien mentor de Talia, se dirigeait vers Soufflevent, la capitale de l'Empire. Naïf et confiant, il sifflotait joyeusement, ça nous renvoie au menu. Inconscient des sinistres actions de sa fille adoptive. Il n'ignorait pas. Attends, moi ça m'a renvoyé au menu, demeurait au sein de tout elfe noir. C'est ça, détruisait 9 héros avec la bombe incendiaire de Talia dans le mal absolu. Attends, on finit cette cinématique, nous, avec YouTube. Vieux crétin, merde, tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Voilà, nous sommes venus, monsieur. Et donc, ouais, sur la première, tac tac tac. Était devenu maléfique et avait détruit l'ombre du mal absolu. Et comment tu sais si tu les as débloqués ou pas ? Avait traversé la mer. Ils deviennent colorés. Ouais. Ouais, pour moi, il a l'air coloré, celui du milieu, en fait. Ouais, je crois aussi qu'on l'a fait. Juste qu'il est en couleur fade, en fait. Ouais, c'est pour ça. Moi, il est coloré, il est pas gris Michael Jackson comme les trois autres. Mais si, là, tu les as. Tu le vois, le Twistram et DVD1, terminé mission Twistram en rime. Hein. Là, on devra collecter 1000 points de malfaisance dans la mission Twistram en rime, ok. Et terminer sans perdre plus de 3 créatures. Voilà. Bon, des bisous YouTube, prochain épisode, hein.